Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de The Witcher pour l'épisode 5. La dernière fois, on s'était arrêté dans la taverne de Wirima à parler à Kals Klein et on va tout de suite continuer en parlant aux autres personnes. Je parie que vous avez... Je connais les règles. Je ne suis pas un tricheur. Pourquoi me choisir moi? Le risque ne vous fait pas peur. Ma bourse est aussi vide que le soufflet d'un forgeron. Je connaissais un chasseur qui aimait jouer, mais ça fait un moment que je ne... Vous avez dû le laisser aussi nu que les fesses d'un bébé. Seules les mises importantes l'intéressaient. Mais les dés étaient contre... Vous gagnez quoi, votre vie, avec vos dés? Vous gagnez bien votre vie, ouais, avec vos dés? Ça dépend de ceux qui jouent. Évidemment, Vizima compte plus de parieurs. Et où peut-on faire une... Si votre bourse est pleine, au nouveau Narakort. Il y a aussi l'ours poilu, si vous avez du cran. Qui est ce chasseur? Jamais vu quelqu'un avec une telle poisse. Il a perdu une fortune. Faites attention, il réclamera son or quand il reviendra. J'en doute, il doit avoir de sacrées dettes. Adieu. Qui aura assez de cran? Avant, je nettoyais les égouts de Vizima. Mikul le garde collectionne les trophées de chasse. Qu'est-ce que tu veux? Vous accueillez toujours les étrangers aussi chaleureusement? Pareil, tous. La bête. Ravi de cette conversation. Faut fêter ça. Cliquez sur la shop. La bière, elle est là. Kaidwen. Est-ce qu'il y a autre chose en bière dedans? Je ne vois pas quoi faire. Ah, il y a de la bière ici aussi. Ah, j'ai cru. J'ai besoin de repos. Ah, flûte. Quelle descente! Voilà ce que j'appelle boire! Et la récompense du vainqueur? J'ai bu avec un marchand il n'y a pas longtemps. Je savais pas boire. Prends son livre. Merci. C'est joli, ce truc-là. Livre de la terreur et du dégoût. Le voici. On pourrait le lire si vous voulez. Voilà. Écoutez. Écoutez. Alors, explosez la scène, ce sera assez fort. Allez, des saouls. C'est pas vrai. J'ai envie de bannir quelqu'un. Tu fais... Tiens. Vous organisez un tournoi? On se castagne. Le gros Fred. Combien? 25. Expliquez-moi. C'est simple. Vous vous... Simple et rapide. 25 ans. J'en suis. Je peux pas. Je vais te massacrer, espèce de salaud. Trop bourré pour pouvoir le taper, c'est ça? On dirait bien. Ouais, ça a l'air d'être quelqu'un ça. Veut se battre? J'ai l'air d'être trop bourré pour pouvoir me battre. Espèce de salaud. J'ai envie de cogner quelqu'un.
Pourquoi j'arrive pas à le taper? Le esquive vraiment ou... Quelqu'un veut se battre? Alors, c'est long, hein? Je comprends pas trop si c'est parce que je suis bourré ou... Espèce de salaud! Je vais mourir. Quelqu'un veut se battre? Alors, personne? En fait, je suis pas censé le battre, peut-être. J'ai envie de cogner quelqu'un. Mais là, ça veut pas partir la bourre. Hein. Je l'ai battu? Ah ouais. Alors? Et ma récompense? Fais ton choix. Deux flasques de... La vote. C'est bon. Faut que je dessous, mais quand je peux... Qu'est-ce que c'était que ça? On va méditer un peu. Il va falloir que, il faut que je médite un peu sinon. What? Qu'est-ce qui se passe? Alors, personne ne se sent assez fort? Je vais aller voir le barman pour méditer parce que là. Trop bourré. Trop chaud. Tavernier, aidez-moi, s'il vous plaît. Tavernier, aidez-moi. C'est long. C'est loin. Oh, je suis obligé de faire le tour. Sérieusement. Oh non. Oh là là. Bon, ok, hein. Si tu le dis. Ne veut tenter sa chance. Allez. Que désirez-vous? Une bière. Les veaux. J'ai deux. On est à sec. Bien. Merci. Finissez votre tavernier. Vous allez me mettre. Bien. Vous voulez. Vous avez. Bon. Oh non, ah voilà, c'est bon. Allez, repose-toi. Voilà. 9 points de talent, eh ben. C'est de l'argent, je peux pas prendre plus. Voilà. On va méditer. 10 heures. Alors, personne? Donc je bastonne quelqu'un. Est-ce que méditer ça me permet de dessouler au moins? Ah bah voilà. Bouge pas à moi. Ta mère. Tu veux prendre.
mis 5. Tu veux 5, allez. Je vais... On verra. Allez, on va faire un peu de ça. Ça va être une petite vidéo à la taverne. Ça, si je fais ça tout le temps, ça suffit ou pas? C'est quoi ça? C'est chaud. Te bats comme une fillette. Non, si j'ai pas envie de perdre 10 ans quand même, ce serait dommage. C'est nul. Non, je ne perdrai pas 10 euros. C'est nul. Te bats comme une fillette. C'est chaud. Et merde. J'ai perdu. Oh non, je viens de perdre 10 orines, fais chier. Allez. Oh, ça c'est chiant ça. Ça c'est chiant. T'as pas bugué là, allez, c'est bon. Allez, flûte. C'est quoi ça? Gros Fred, ouais. Une corbeille. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh, y'a personne ici? Ils ont disparu. Ah non, ils sont là. On va parler à Vesna. Salut mon mignon, vous avez l'air épuisé. C'était un hasard. Un hasard? Les paysans du coin auraient pas levé le petit... Qu'est-ce que ce sera? Une bière. Vous êtes un sacré bavard. Votre beauté m'a rendu muet. Vous savez trousser un compliment. Ah ouais, t'as encore plein de bière. Peut vendre. Bon, on va rien vendre. Ah non, si, il va falloir vendre quand même un peu au bout d'un moment. Je vois... Non, ça c'est un lorrain, ça peut pas le prix. Les 4 cuisses. Ok, bon pour l'instant on va garder ça comme ça. C'est pas ce que je voulais faire. Une bière. Vous êtes un... Parfois. Une minute. Une minute, mon cher. J'ai une autre commande. Une minute, mon cher. Oh non, flûte. J'ai une autre commande. Qu'est-ce qui... qu'a-t-il à nous dire? Je suis un sorceleur. Par le feu éternel. Vous avez du travail pour moi? Non. Bien, j'y... Vous voulez... Pourquoi cette triste mine? Je parle pas aux étrangers. Même pas pour Saint-Corin? Ah, oh, pour Saint-Corin, la peste zéra. Les gens mouraient par dizaines. Pendant trois lunes, le village était que... D'où notre méfiance envers les étrangers.
Vous savez pas ce que c'est, le révérend. Je fais comme pour Mass Effect, je le lis, vous avez le temps de le lire aussi. En haut, et nourriture. Et je skip la pénitence. On a purgé nos maisons du péché et de la souillure. Et le révérend, vous avez bien agi en purgeant vos foyers du péché. Ce fut douloureux, car il se terrait parmi vous. Mais le feu éternel a déversé sa pestilence pour les punir. Transpercé par le froid, on a fait pénitence. Avançant à genoux pour prier le lendemain, le village était calme, comme endormi. Et voilà une histoire édifiante. Oh le chat. Je cherche quelqu'un qui a fait... Faites le tour des tables. La nuit, les clés... Je vais faire le tour. Vous voulez quoi? Vous avez une chambre. Pour vous, c'est 5 orins. Non merci. Bard. Salut Tass. Qui ça? Le célèbre sorceleur. Vraiment. La ressemblance est troublante. Quelle coïncidence. On doit souvent vous prendre pour Jaskier. Ces chansons doivent être populaires. Maître Jaskier, le plus grand. Qu'avez-vous dans votre répertoire? Chanterai-je pour vous? Pourquoi pas? Une petite contribution. Pas étonnant que les belles jeunes filles aient du toupet. Plus l'arbre est grand, plus il est malaisé. La mère aime sucer des nains. Oh ça, c'était vulgaire. Mais il a le remède. Il coupe l'un et l'autre. Deux clans. Enfin. À qui ai-je l'honneur? Le Varden, marchand. Vous avez une proposition pour moi? Malheureusement, oui. Mon ami a disparu dans la... Vous croyez qu'il est mort? Je l'ignore. Mais je... Acceptez-vous le... D'accord. Mon ami voulait pénétrer dans Vizima. Pourquoi cette grotte en particulier? Il paraît que les contrebandes... Je vais voir ce que je peux faire. Mon ami avait déjà affronté des monstres. Bouge pas. Ok, ok. Oh, donnez-moi la patience. Mon Dieu. On va regarder Elvin. Tu m'as sauvé, n'est-ce pas? J'ai donné un coup de main. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Tu attends que ta famille vienne te chercher? Non. Ils sont tous morts. Désolé, petit. Je les connaissais pas bien. Ah, étonnant. Tu voulais me demander quelque chose? Non, c'est nous bon. Nous parlerons plus tard. Pour aller voir le vétéran, c'est sûrement par là. Non, on peut pas passer, ça c'est fait. Marcheron. Maison d'Abigail, crypte, maison du révérend. Oui, il est loin. Il est loin, il est loin. Une minute, mon cher. J'ai une autre commande. D'accord. Donc on va sortir. Regardons les quêtes que nous avons vite fait. Alors, contact, ouais, contrat sur les perquêtes. 5 ghouls. 3 cerveaux. Rencontrer le vétéran. Ouais, Bérangar, je trouve ça plus fort. Plus tard ça. Au garde Vizima. Vizima, pas au faubourg. Hein. Secret de sorceleur, sur la piste de la salamandre. D'accord, d'accord, d'accord. Donc on devrait pouvoir sortir maintenant. On devrait pouvoir sortir. Je sens que j'ai soif. Pas de ce côté-là en tout cas. Soyez sur vos gardes. Ah, j'avais pas vu le forgeron la dernière fois. Y a pas urgence. Si, y a urgence. Salutations. Oui, je suis un nain. Non, je ne soutiens pas la... Du calme. Je serai calme dans ma tombe. J'irai à vos funérailles. Et à l'exécution aussi. Une fois, ils m'ont forcé... Ils n'aiment pas les non-humains, par... Comme dans tous les royaumes nordiques. Il y a peu, un dignitaire de Vizima a reçu un prix. Il avait inventé un gibet spécial... Pas très inventif. Non. Mais avec tout ce bois en plus... Je peux vous poser une question? Oui. Qu'est-ce que la Skoetel? Il lutte pour les droits des non-humains. Skoetel est un mot elfique qui veut dire écureuil. Ils doivent ce nom à la... Vous êtes en affaire avec eux? Vous pensez m'avoir comme ça? Ne restez pas là. Oh ne non. Restez pas là. Oh, il est chiant. C'est dur, la vie de soldat. Ne restez pas là. Oh, il est chiant. Je me plais pas ici. Bon, l'ordre de la Rose Ardente doit nous envoyer des renforts. Ok, donc nous sommes sortis de la ville.
Alors, si on fait suivre la quête de Barghest. Abigail. Maison du vétéran. Maison du vétéran. Wizima. Maison du vétéran. Du révérend, pas vétéran, pardon. Et la grotte sous le rempart. D'accord, bon, on va aller à la maison d'Abigail. Non, on va aller voir Abigail, pardon. C'est plutôt Abigail que la maison d'Abigail. Est-ce que je peux ramasser des choses déjà? On n'a pas l'air. Des maisons abandonnées. Alors, un sac, qu'y a-t-il dans ce sac? Du salpêtre. Garçon. Pour rigoler, je vais pisser dans le soufflet du forgeron main. Mais arrête, t'es malade, toi. Le fumier? Ouais. Je suis de la salamandre. Je veux un glaive. Je veux pas faire le garde. Moi non plus. On joue à l'égorgeur. Non. Rien à dire. Lui, y a-t-il quelque chose à dire? Les humains comme les non-humains non. Doivent payer le double d'impôts locaux. C'est un scandale. C'est un scandale, là. N'est-ce pas? Donc, on va aller voir dans cette maison abandonnée. Nous n'allons pas tarder à nous arrêter quand même. Voilà. Ça, c'est les maisons. On va passer directement par la maison d'Abigail. Passons par là. La cabane de la sorcière. Chapelle du feu éternel. D'accord. Poulet! Du poulet! On va l'amener au KFC. Un malade. Non, mon bide, ça me lance! Maudite sorcière! Abigail. Invitation à la magie, d'accord, poudre noire. On pourrait lire. À quoi peut servir cette poupée? On se demande, hein. Place. Ça alors, un sorceleur? Qu'est-il arrivé à cet homme? De nombreux clients réclament des fantaisies que je refuse de satisfaire. Je ne l'oublierai pas. Ne crains rien. Personnage Abigail. Que puis-je? J'ai trouvé votre message. Votre message. Tu as les crânes de bas. Pas encore. Alors fais. Désolé si vous entendez du bruit derrière moi, j'espère pas. Voyons ces marchandises. Pas grand chose d'intéressant. Que puis-je pour. Puis-je vous poser une question? Est-ce que votre magie viendra. Un glaive n'y suffirait pas? On dit que les sorceleurs en ont deux. Les deux sont pour les monstres. Mais. Je connais un onguent. Si tu en recouvres ta lame, tu infligeras d'un. Je peux te vendre les ingrédients. Merci. Tu peux remplacer les. Adieu. Donc pour l'ambiance, c'est quoi que je dois faire? Donc on va se reposer un peu. Alors, alchimie. Lutte contre les spectres.
Hirondelle, ouais. Ok, c'est pas grave pour le moment. On verra ça plus tard. On va encore continuer un peu, hein. Ah, un tonneau là-bas, on va le prendre. Il y a une porte aussi, la porte elle peut être utilisée. Cabane au fond de Dardin. Une malle avec deux anneaux. Ouais. Ça prend moins de place, on les équipe là. Une vieille étagère. Prendre. Oui, tout prendre. Il y a l'air de rien avoir d'autre. On peut passer pas la pente. On va continuer encore un tout petit peu, hein. Ensuite on s'arrêtera là. Genre 5 minutes. Je vais faire le tour un peu de la map, je vais pas passer par là où il faut directement. Là-bas, chapelle du feu éternel. J'ai pas d'objet pour ça encore. Donnez-moi la patience. Donnez-moi la patience. Oui, oui, donnez-moi. On va aller voir ce qu'il y a par là-bas. Feu de camp, et surtout ça, qu'est-ce que c'est que ça? Médaillon de sorceleur. Le médaillon, s'il est réglé pour détecter les monstres, vous avertir. Oui. Tu as le rituel de magie. Ok. Pourquoi pas? Inventaire. J'ai pas le médaillon encore, hein, je ne pense pas. Hein. Ah si, c'est là, d'accord. Non, on fait ça sur ça. Et dans la prochaine vidéo, on visitera la crypte, je crois. J'en garde si j'ai une quête à faire dans la crypte, hein, à mon avis pas du tout, mais... Bon, c'est pas grave, on ira dans la crypte plus tard. Bon, on aurait pu flûte. On ira dans la crypte dans la prochaine vidéo. On va rentrer quand même. Ah, on peut pas, ok. On va continuer quand même. Encore un peu alors jusqu'à... on va aller... Bah non, on va s'arrêter là dans la prochaine vidéo, je sais pas si vous voyez ma souris. On va retourner à côté de Vizima pour passer vers le sud, comme ça on fera la partie basse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheZDead pour la GTB HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo.